Eh bien salut à tous les petits potes, c'est Zanpil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 18 de Pokémon Let's Go. Evoli, Pikachu, ici ça sera Evoli. On va acheter la pierre plante dans le centre commercial de Céladopol. Voilà, Amigras m'a dit que c'était ici. Et cette fois, enfin, mon micro fonctionne. Oui, parce qu'en gros, si vous voulez, comme je recorde plusieurs épisodes d'affilée et que je me suis rendu compte que je ne recordais pas, j'étais très déçu. Enfin, je recordais, mais juste, je recordais que le son du jeu, en fait, pas ma voix. Voilà, donc c'était très, très, très agréable. N'est-ce pas? Bon, dans un sens, vous n'avez pas vu mon gros fail énervé de jeu, que je ne vous raconterai même pas, du coup, puisque... sinon ça va vous spoiler la suite de mon aventure, quoi, voilà. Donc c'est parti, en fait on est reparti pour tout refaire. Heureusement que j'avais enregistré que deux épisodes, parce que d'habitude quand je fais des sessions comme ça, en général je fais 7-8 épisodes, et heureusement que je venais à peine de commencer. Et voilà. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver, du coup. Super, j'adore. Et voilà quoi. Hein. Allez, c'est parti. On a une autre danseur de K-pop, les potes, et on va aller direction Safrania. Oui, direction Safrania, parce qu'on a eu le thé, du coup, qu'on nous allons donner à ce petit garde, voilà. Après, l'avantage, vous me direz, c'est que comme je connais déjà l'épisode, peut-être que j'irai beaucoup plus vite, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est pas plus mal dans un sens. Et puis voilà, c'est con parce que du coup il y a la cinématique, il y a des trucs qui sont passés et que j'ai déjà vu et qui m'ont fait beaucoup de j'ai voilà, hein, j'ai eu des émotions qui sont ressenties, voilà, tout ça. Donc c'est assez dommage, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, n'est-ce pas? Et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un commentaire, me dire les noms des Pokémon que vous voulez que je mette, parce que on a toujours pas d'idée, hein, pour les Pokémon qu'on capture, n'est-ce pas? Voilà. Allez, du coup c'est parti, les amis, on va direction le meilleur endroit qui puisse exister. Tac, 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 cassez-vous les Pokémon, je ne vous aime pas. On passe ici. Oh, ce thé, il a l'air si parfumé. Tu veux bien m'en donner un? Super, merci. Glou, glou, glou. Tu peux passer glou, glou, glou. Si tu veux aller à Safrania, glou. Je vais partager ce thé. Ok. Donc ça y est, maintenant, en fait, on peut utiliser les chemins rapides. Désolé pour le petit bloup que vous venez d'entendre. C'est mon téléphone qui a fini de charger. Et ça s'entend sur mon téléphone. Sur mon PC, pardon. Du coup. Je passerai ici hors caméra, ça sert à rien que je passe maintenant. Ah non, ça sert à rien que je passe maintenant. Donc j'irai hors caméra pour récupérer Chignon. Ça vous sert à rien de voir ça. Donc voilà. Allez, direction l'avant-ville du coup. Ah putain, il y avait lui. Il y avait ce gars. Allez, allez, allez. C'est parti, c'est parti, c'est parti. L'intello va se battre. Magnéti. Reptacelle, j'ai confiance en toi. Non, c'est pas grave que je voulais faire. Je faisais flamèche, ça allait beaucoup plus vite, mais bon. Tant pis, hein. Reptacelle va encore prendre des dégâts. Comme d'hab. Flamèche. Voilà, merci Reptacell, c'est beaucoup. Ah là 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 là. Heureusement que j'ai pas fini le deuxième épisode, que j'étais qu'à la moitié quand même. Parce que sinon, j'aurais eu le seum et j'aurais passé complètement. Ah bon, écoute mon gars, tu me dis ça maintenant toi. Une fois que je saute, tu... Hein? Regardez-moi ce... C'est vraiment une grenouille en fait, hein. Il a été généré, enfin il a été fait comme une grenouille, et ça ressemble pas du tout à une grenouille pourtant, mais bon. Hop. On retourne ici pour se soigner encore une fois, hein, parce que de toute façon on se soigne jamais assez. Voilà. Et on va aller à la tour Pokémon du coup, à la tour de l'avant-ville, parce qu'il y a Osselet qui s'est rendu, voilà.
Merci d'avoir entendu, votre équipe a retrouvé la santé. Alors, qu'est-ce que ça dit? Tac. Donc la merde serait, ils l'ont... Oui! La Team Rocket kidnappe les Osatchers pour voler leur crâne qu'ils portent sur la tête et les revendre à prix d'or. Et ce pauvre petit Osley, il cherche sa maman désespérément. Oh, ça me brise le cœur. Jamais je ne leur pardonnerai. J'ai vu Osley retourner dans la tour tout à l'heure. D'ailleurs, il paraît que Monsieur Fuji, qui est porté disparu, y serait. Merci, fais attention à toi. Les fantômes, c'est pas trop mon truc pour être honnête. Mais je dois prendre mon courage à demain. Zenpi, tu es dans ma pique. Tu as entendu notre discussion? Il faut que qu'on y aille ensemble. Oui, go. Allez, c'est parti. Go, 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 Power Rangers. Non, c'est pas ça? Bon. D'accord. Allez, c'est parti. Hop, premier étage de passé, du coup, hein, vu qu'on l'avait déjà passé avant. Oh non, tu crois qu'il y a vraiment des fantômes ici? Hein? Mais c'est quoi ce truc? Le scope Sylph a révélé l'identité des fantômes. Ouah, trop fort! C'est des Pokémon en fait. Eh oui, mon pote, ce sont des Pokémon. Toi, tu tournes pas, toi? Hein? Non? Bon, tant pis. Ah bah, parfait. T'as déjà vaincu en fait. Et je trouve un réveil. Trop bien. Pour mieux me réveiller le matin. Eh oui. C'est pas incroyable. Tac. Génial, je me mets à tourner autour. Courez quoi, le furet des bas, mesdames. C'est exactement ça, quoi. Quand tu cours autour d'un truc, t'arrives pas à le choper. Ok. Alors là, capitaine. Tournez la tête, madame. Parfait. C'est son niveau 25 les Pokémon ici, c'est pas incroyable. Hein. Donc bon. Oh, toi par contre, je crois que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Allez, go. Et on en finit vite au moins. Viens avec nous. Viens. Cassandre, l'exorciste veut se battre. Spectrum. Reptocelle, à toi de jouer. Attaque. Dracourage. Tu es toxique. Oh non, mais t'es sérieux là, toxique. Toxicité, hein, quoi. Genre, t'as que ça à foutre dans ta vie, quoi. C'est incroyable. Allez, on va refaire Dracourage, du coup. Attaque que j'espère pouvoir très vite remplacer, d'ailleurs. Passage. Parce que faire que 40 points de dégâts, c'est pas oufissime, quoi. On peut plus trop one-shot à ce niveau, maintenant. Et nous avons battu Cassandre l'exorciste. Allez, on va aller dans ce petit truc. Si je me souviens bien, c'est pour soigner. Ouais, c'est bon. Mais non, mais c'est bon, j'ai compris. Bah, une fois, pas deux... Donnez-moi votre âme. Tania, l'exorciste veut se battre. Trois Pokémon. On va spammer Reptincelle. On va spammer. T'as pas intérêt de mourir. Je te le dis, tu ne dois pas mourir. Dracourage. Ça c'est bon ça. Ombre nocturne. L'attaque est moins cool que sur Uzul, je trouve. Si c'était sur Uzul d'ailleurs. Autant je me trompe. Où le Pokémon apparaissait derrière toi, c'était vachement cool. Et Reptincelle qui passe au niveau 32. Ça, c'est classe. Non, je ne change pas. Dracourage à nouveau. Bas, aïe. Non, c'est bon, ça passe, parfait. Dracourage à nouveau.
On est sous Choice Binder en fait. On fait plus de dégâts quand. Mais sauf que là ça marche pas puisqu'on dans le courage ça fait qu'au 40. Mais ça marche quand même. T'inquiète. Allez, Dracourage à nouveau. Kuba, ouais. Bouhou. Allez, Flamèche. Kuba encore. Pas trop de diversité hein, dans ces combos d'attaque. Hein. Kuba, Kuba, Kuba. Franchement, c'est super bien. C'est comme si moi je faisais Dracourage, Dracourage. Ah, bon, d'accord, ok. Excusez-moi. 3 Pokéballs. Eh oui, merci. Merci, merci. Sérieux, obligé de te battre contre toi? Allez! Et Jennifer, l'exorciste veut se battre. Spectrum. On va te mettre la misère, Spectrum. Yeah! J'espère qu'il va pas me faire un petit... comment ça s'appelle? À l'aide. Mince. Comment ça s'appelle? D'accord. Non, c'est bon, il a pas fait. Vous saurez sûrement jamais ce que je voulais dire, mais bon, c'est pas grave. Toxique. Et j'ai battu Jennifer Exorcist. Yes. Ça, c'est cool. On va récupérer ça. Les hyperboles, parfait, parfait. Tac. Salut toi. Salute amigo. Como esta la casa et que pasa un do casa là. Lancé. C'est beaucoup mieux avec ça. Alors, je m'explique. En fait, il y a un jour où j'avais plus de batterie dans mon Pokéball Plus. Et du coup, je voulais jouer avec mon Joy-Con droit ou gauche, c'est pareil. Et un truc, c'est que j'étais en train de chasser et que ça envoyait tout le temps sur les côtés. C'était très 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 chiant parce que tu pouvais te retourner. Et même Beetle, je vois que ça lui arrive. C'était vraiment très 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 chiant. Et du coup, je demande autour de moi et tout. Et là, tout à l'heure, on était en chasse Pokémon avec Galius, et Riku et Necros et Fanny. Et je leur disais, je leur ai évoqué le problème. Et ils m'ont dit que, en fait, si tu... Avec ton Joy-Con, pointez pas le devant de ta Pokéball, en fait. C'est normal que ça partait sur le côté. Donc bon, on essaiera un jour. Super. Super. Je vais me défoncer le bras, mais c'est pas grave. 1, 2, 3. Oh, mais c'est trop chiant, Fantomius, par contre, hein, à sortir tout le temps. Oh, merde. Et je disais, parce qu'avec ça, c'est vraiment mieux, en fait. T'es sérieux? Vraiment mieux, mais pas plus que ça, quoi. Hop. Voilà. Sac. Nabab. Je veux un Fantominus. Voilà. Alors. 1. 2. 3. Ah bah quand même, merci. Merci. Vous avez attrapé Fantominus. Parfait. Donc du coup, voilà... D'ailleurs, chasse très sympathique puisque j'ai eu deux Shiny, même si j'ai déjà, c'était Terral et Germignon sur Pokémon Go. Aucun Pokémon de la première G. Hier, j'en ai eu 4. Hier, j'ai eu Pikachu, j'ai eu Bulbizarre. Oh, il y en a sur Alto. J'ai eu Bulbizarre, j'ai eu qui d'autre? J'ai eu. J'ai eu. Umbrillex aussi. Et un dernier, apparemment, mais je sais plus du tout lequel. C'était à moi ce que je... Ouais non en fait parce que j'ai fait évoluer mon Umbrillex en comment ça s'appelle? En infect. En cinématique. Je m'enlève. Misérable. Un Spectrum. Ah non. Ça lui ressemblait au début. Oh non. Il est encore plus gros que les autres fantômes. Refais le truc de tout à l'heure là, ton machin là. Et cette cinématique est juste trop magnifique. Eh va voir.
En fait, même si je la revois, je la trouve vraiment incroyable cette cinématique. Elle est vraiment magnifique. Et ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo qui a été supprimée du coup, c'est que même si je la connais, même si je connaissais ce moment et tout dans Pokémon, c'est tout simplement incroyable parce que là il y a de la musique. Il y a aussi du coup cette cinématique qui est vraiment magnifique, où on voit vraiment quelque chose. C'est pas comme dans Pokémon où on voyait que dalle en fait. On voyait, enfin, on comprenait ce qui se passait, mais on voyait pas. Donc c'est la maman de sa tueur, comme ça, l'esprit et tout. Et je disais, c'était vraiment incroyable parce que au final, les jeux arrivent à nous transmettre des émotions qui sont juste tout bonnement incroyables. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Et du coup, voilà. Alors, juste 2 secondes, je vais faire ça. Sac. Bonbonnière. Super bonbon. Utiliser. Danse-flamme. Voilà, c'est juste parce que j'ai envie d'avoir danse-flamme rapidement. Parce que je l'avais tout à l'heure, en fait. Hein. Du coup. Voilà. 34. Allez, direction le sommet de la tour. On va soigner nos Pokémon. Sinon, on va galérer beaucoup. Trousse de soins. Non. Trousse de soins, s'il vous plaît. Super potion, utilisée. Ça suffira alors, je pense. Allez, c'est parti. On va voir Monsieur Fuji. Ou Fuji. Pas bouger! Laisse faire les grands! Maintenant que le fantôme a disparu, on a enfin accès au sommet de la tour! Hé, le vieux! C'est toi le père Fuji! Tu vas recommencer tes recherches sur les Pokémon pour la Team Rocket! Tu peux faire le fier, ça ne change rien, tu vas venir avec nous et travailler pour nous! Ok! On passe au temps de super. Toi! T'occupes, toi! On explique un peu la vie au vieux! Et si t'es pas content, bah c'est le même tarif. Ah bon bah ok, super. Oui, d'accord, mais non. James et Jesse veulent se battre. Arpax. Et Smogoku. Allez, c'est parti les potos. Danse flamme sur Smogogo. Et vos flambeaux sur Smogogo. Comme ça, il est dans un tourbillon de flammes. Et il est brûlé en même temps. Voilà. Et on va faire pareil à côté. Ah, sur Reptincelle aussi. Oula, oula, oula. Eh, on se calme. On fait beaucoup moins de dégâts, s'il vous plaît. Sinon, prochain tour, vous allez tous décéder. Vous allez pas comprendre ce qui se passe. Danse flamme. C'est pas ça. C'est danse flamme, oui. Mais pas sur Smogogo. Sur Arbok, s'il vous plaît. Et on va faire pareil, et vos flambeaux. Et va. Voilà, comme ça il est brûlé. Direct toxique. Aïe 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 aïe. Ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas. Et c'est bon. Danse flamme. Suisse bomber. Non. Ah ouf, c'est bon, j'ai eu peur. Voilà. Maintenant c'est au tour des brûlures. De danse flamme. J'aime bien. Du coup, c'est un très bon duo. Tous les deux, ils se complètent. C'est le cas de le dire. Hyper potion. Attaque. Et vote à l'assaut. Arpac. Comme ça, là, il résiste ce tour-ci. Et on pourra terminer au prochain tour les combats. Celui Arbok là, il est mort de toute façon. Du coup, et ça va être pareil pour ah mince, c'est pas grave, il survit de toute façon. C'est un grand maintenant. C'est un grand, mais il a failli mourir quoi. Et logiquement, lui, il
Oh, lui il est mort. Clairement, il est mort. C'est bon. Parfait. Ça, ça prend du niveau. Roku qui monte niveau 33. Ça, c'est cool, Roku. Roku, level 33. Bientôt, Roucarnage. Même si on peut pas voler dessus, c'est super cool. Et il faut à l'assaut pour terminer le duel. Et ça, c'est cool. Un PV. Oh, quand même, hein, plus qu'un PV en fait. Ça, c'est cool. On a récupéré, je crois, 5 ou 6 PV. 7 PV, je crois. Florizarre passe au niveau 33, et ça, c'est bien. James, je kiffe trop James dans ses façons d'agir dans le jeu, c'est incroyable. J'en ai marre de ce morveux, mais marre de chez marre, hein. Dis, je crois que notre beau plan de kidnapper le père Fuji pour donner la maison est tombé à l'eau. Allez, go Safrania pour infiltrer la cible. Ok, c'est parti. Allez, on va parler au papa Fuji. Monsieur Fuji. Oui, c'est pourquoi? Ah bon, la Team Rocket me menaçait, mais je n'avais pas fait attention. Je me recueillais en mémoire du statueur. Il semblerait bien que son esprit soit apaisé maintenant. Son âme a pris le chemin du ciel. Je voudrais te remercier, mais il faut d'abord que je passe chez moi, qu'il m'aime me suive. Oui, forcément. Sainte-Pile, sache que tu dois aimer les Pokémon de tout ton cœur. Si tu espères remplir ton Pokédex un jour, j'ignore si ceci te sera utile, mais pour cette quête, mais j'aimerais que tu l'acceptes. Vous obtenez la Pokéflûte. Entendre le doux son de la Pokéflûte peut réveiller certains Pokémon endormis. Essaie de t'en servir si jamais tu rencontres un gros dormeur qui te barre le chemin, sous-entendu un gros ronflex ta mère la pute. Et ben voilà, ça c'est parfait. Allez, on va s'avancer du coup pour aller sur Safrania. Et puis on va se retrouver au prochain épisode là-bas. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Sur ce, moi je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine. Peace.